pas quelqu'un en fonction de sa religion, j'aime quelqu'un en fonction de son cœur. Et en fait, ils m'ont fait tourner dans plein de groupes. Ils ont fait tourner mes deux numéros. Et là, je fais ma story, je suis en mode avion. Parce que sinon, le son, il coupe. Et je me fais harceler. Comme si que j'étais une raciste, alors que je suis tout sauf une raciste. Et que j'ai fait passer un message de paix. Et je lui dis que oui, ce qui se passe en Palestine, ça me fait de la peine. Et c'est vrai. Et je le pense. Regardez à quel point on me harcèle. Comme si que j'étais une raciste, que j'étais pas pour la paix, alors que je suis pour la paix. Je ne comprends pas, regardez. Regardez, mais regardez, sur mes deux téléphones. Bon, ça sert à rien. Voilà, hop là, hop là. Voilà, j'ai changé de numéro. Moi, franchement, pas trop. Regardez ma tête. Encore là, j'ai un filtre. J'ai pas dormi la nuit. J'ai dû dormir à 5h30 du matin. Tellement que je me suis faite harceler sur mes deux téléphones. Je sais pas qui a donné mon numéro. Alors, encore mon numéro français, il a déjà tourné sur Twitter. Mais mon numéro Emirati, personne l'avait. Il a tourné partout. Je me fais bombarder d'appels, de messages, de menaces de mort par rapport à mes stories d'hier. Là, je vous fais une story, je suis en mode avion, je ne peux même plus utiliser mon téléphone tellement que je me fais harceler. Toutes les secondes, on m'appelle, on m'envoie des messages, on m'insulte, des menaces de mort et des dingueries. Je n'ai jamais été autant menacée de toute ma vie. Et tout ça, en fait, à cause de mes stories d'hier.